Né en 1991 de la volonté de Bruno Monnier et d'une équipe de passionnés d'art et d'histoire, Culture Espace aide les institutions publiques et les collectivités à gérer leur patrimoine et à développer leur rayonnement culturel en France et en Europe. Culture Espace, ce sont d'abord des musées et des villas dotés de collections comme le musée Jacquemart-André, la villa Efroussi de Rothschild et la villa Kyrillos. Ce sont des monuments antiques comme les arènes de Nîmes et la Maison Carrée ou le Théâtre Antique et le musée d'Orange. Ce sont aussi des sites historiques comme le château des Baux-de-Provence ou le site du champ de bataille de Waterloo. Ce sont enfin de grands musées techniques comme la cité de l'automobile et la cité du train. Avec plus de 2 millions de visiteurs par an, Culture Espace est aujourd'hui le spécialiste de la gestion globale de monuments, de musées et de sites historiques en France. Tous les services sont dirigés par Culture Espace, une gestion autonome et performante qui contribue à la sauvegarde du patrimoine. Culture Espace produit et réalise des expositions temporaires de grande ampleur en collaboration avec les conservateurs et historiens de l'art. Des concerts, de l'opéra et du théâtre sont également programmés dans ces lieux d'exception. Culture Espace met aussi en place des reconstitutions de grande envergure avec l'aide des meilleurs spécialistes pour rendre l'histoire vivante. Toujours à la pointe de l'innovation, Culture Espace se sert des nouvelles technologies pour diffuser la culture autrement. Rendre la culture accessible à tous, c'est la vocation de Culture Espace. Les familles bénéficient de tarifs préférentiels. Les sites sont ouverts 7 jours sur 7 et des livres et jeux sont offerts aux enfants pour apprendre en s'amusant. A donné son fils à un berger, lui a dit... Culture Espace est aussi une fondation qui mène une politique active en faveur de l'accès des enfants à la culture. On continue. Fort de plus de 20 ans d'expérience, Culture Espace a aujourd'hui l'ambition de valoriser d'autres monuments et musées et de créer de nouveaux lieux de culture en France et en Europe.